Les gars, ce que Francis Ngannou est en train de réaliser pour l'Afrique en ce moment, c'est quelque chose de magique. Le Camerounais entre encore de plus en plus dans la légende. On sait tous pourquoi Francis Ngannou a quitté l'UFC. Francis Ngannou quitte l'UFC parce qu'il estime que les salaires des combattants, ce n'est pas quelque chose d'assez conséquent. Il discute avec Dana White, il propose à Dana White de faire des augmentations à tous les combattants. Mais à côté de ça, Francis Ngannou veut également une prise en charge médicale pour les combattants. On rappelle que à l'UFC, lorsque tu fais un combat, c'est avec ton argent que toi-même tu vas te soigner, peu importe ce que tu as comme blessure. Donc, Francis Ngannou va donc discuter avec Dana White et dire à Dana White que, gars, ici, il faut que tu augmentes ça, ça, ça pour les combattants de chaque catégorie et aussi la prise en charge médicale. Dana White qui dit à Francis qu'il ne peut pas faire ça pour tous les combattants, mais il peut faire un effort pour Francis. Du coup, il propose à Francis Ngannou un salaire colossal. Et aussi une prise en charge médicale, bien sûr. Francis Ngannou qui va décliner son offre et va dire que non, moi je t'ai pas demandé ça pour moi uniquement. Je t'ai demandé ça pour tous les combattants. Dana White qui va lui dire non gars, moi je peux pas faire ça pour tous les combattants. Du coup, les deux vont se séparer et Francis Ngannou va quitter l'UFC. Francis Ngannou va être approché par le PFL. Il va aller avec les mêmes doléances du côté du boss du PFL. Et le boss va accepter. Mais sauf que Francis Ngannou ne s'arrête pas là. Et il va faire une autre proposition, une autre demande au boss du PFL. Il va lui dire, du côté de l'Afrique, il y a beaucoup de talent, mais il n'y a pas une plateforme pour ces talents-là de ce côté-là. Donc, je vais te proposer qu'on crée une plateforme africaine du PFL. Le boss du PFL va dire à Francis que, ok, d'accord, on va le faire. Mais, vu que c'est toi qui es venu avec le projet, je te propose donc d'être le président de ce projet-là, donc de ce programme du PFL Afrique. Francis Ngannou qui accepte. Et il y a quelques jours, donc, c'était le lancement du côté de Lagos, au Nigeria, de PFL Afrique avec de grands combattants qu'on va certainement découvrir, mais des combattants africains qui ont signé avec le PFL qui étaient de ce côté-là. Malheureusement, Francis Ngannou n'a pas pu être là, mais il a réagi dans une vidéo qu'on a diffusée pendant la cérémonie. Voilà la réaction de Francis. Je suis très heureux et honoré d'être le président de la PFL Afrique, une ligue qui façonnera les fondations même du MMA africain. Je défends mon peuple, ma communauté. Il y a beaucoup de talent en Afrique. Nous avons juste besoin d'une opportunité et d'une plateforme. Il n'y a pas eu que la réaction de Francis Ngannou, il y a également eu la réaction d'un autre grand combattant africain. Il s'agit du Camerounais Cédric Doumé qui a dit ceci. PFL va mettre en avant tous les talents en Afrique. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis fier d'en faire partie. Il y a également eu des personnalités comme le rappeur américain Wiz Khalifa, très grand fan des combats MMA et très grand fan de Francis Ngannou. We actually have Francis Ngannou, the baddest man on the planet, who is the chairman, and he knows all of the best talent out there, and he's going to make sure that the PFL in Africa goes how it's supposed to. PFL Africa is going to give a lot of the talent in Africa to compete on a global scale without having to leave their country. I think that makes it better for everybody.